the Poussière of Ohio, wearing his beautiful chapeau, but who is Caballero? The Emperor of the Far West, when he gains his revolver, he can shoot a fly d'un seul geste. In the desert, there is person, never a coup de téléphone. He's a cowboy, poor and lonesome. Il a pas peur de personne. Pas surtout des Dalton. Il a pas peur de personne. Bravo! Merci, mon ami. Louis Lumière, inventeur français. Et voici mon frère Auguste. Lucky Luke, cowboy, jolly jumper, monture. Je filmais tranquillement cet ours en train de piller une ruche sauvage quand... Ruche? Cet appareil me permet d'enregistrer le mouvement. Il appelle ça le cinématographe, déjà le nom, on dort. Si la curiosité du public américain est celle que je crois, notre fortune est assurée. Votre fortune? Mon frère s'imagine qu'il peut faire payer la projection de vue animée. Cela vous amuserait de voir? Vous allez loin comme ça, madame? Mademoiselle, mais appelez-moi Bertine. Nous nous rendons à Hollywood. Vous connaissez? Sur la côte ouest, au bord du Pacifique. Chic, j'ai mon maillot. Old boy, nous allons escorter ces gens. Ils ne connaissent pas très bien l'ouest et la route d'Hollywood n'est pas la mieux fréquentée. Je dois filmer cette vache sauvage. Louis, sincèrement, je vois mal l'intérêt. Des vaches qui regardent passer les trains, il y en a chez nous. Oh oh. Vache qui charge par paquet de 800. Du jamais vu. Héroïque. Vous avez été héroïque. Hollywood, spécialité de show burlesque et de critique refroidie. Stop! Regardez! L'une de ces avenantes gargotes nous prêtera bien sa salle pour nos projections. Les lumières ont besoin d'obscurité pour briller. La dernière fois qu'il a fait ça, il est ressorti enduit de goudron et de plumes. Aïe! Bravo! Mais c'est nul! Bonnes gens, écoutez-moi! Foin de ces pantalonnades! Vous avez droit à un spectacle de qualité! Pas si fort, Louis, il pourrait t'entendre. Moi, Louis Lumière, je vous apporte l'émerveillement en boîte. Mon cinématographe est mille fois plus époustouflant que ce pitoyable spectacle vivant. Tu préfères peut-être le spectacle mort, étranger? Et à qui ai-je l'honneur, mon petit monsieur? Al Carnegie, propriétaire de cet établissement. Ah. Oh. Ce qu'on aime ici, c'est le stupéfiant homme caoutchouc d'Amazonie, l'impressionnant homme fusée. Alors ton spectacle en boîte? Jack, raccompagne ces messieurs. Ah!
Et c'est parti. Connaissez-vous l'art de la boxe, monsieur Luke? Un ou deux cowboys dans votre verre, Bertine? On s'ennuie pas avec votre frère, dites donc. Il tient ça de maman. Moi, je ressemblerais plutôt à notre pauvre père. Bonjour, mon enfant. Connaîtrais-tu le patron de cet estaminet? Double Bill, c'est mon papa. Et où peut-on le voir, ce sieur Double Bill? Il se bagarre en face avec les autres. Tenez, le voilà. Double Bill. Ça m'intéresse, votre cité Mano, là. Cinématographe. Voilà, oui. Tout ce qui peut embêter cette carne de Carnegie me plaît. C'est un principe. Dites, sans vouloir vous interrompre, si on y retournait. Installe ces messieurs, John. J'en reviens. Yeah! C'est long en ce moment. Ça va s'accélérer, faites-lui confiance. Il me faudrait un drap, un très grand drap à mettre là. Bon, passons aux affiches. Qu'est-ce qu'il donne ce soir au Santa Monica ? Du cinémanographe. Cinématographe. C'est pourtant simple. Bon, nous n'avons plus qu'à attendre le public de cette première projection. Fais pas cette tête, Jack, c'est sans danger. Mes amis, le Malibu est fier de vous présenter en exclusivité mondiale l'impressionnant Rocket Jack l'homme fusée. On l'applaudit. Hé, hey Jack, tes canons. Un sacré Jack. Fumeux. C'est quoi exactement leur cité machin? Ça bouge, c'est tout ce que je sais. Et une place, s'il vous plaît. Demi-tarif, s'il vous plaît. Y a pas foule. Qu'importe, commençons. Ça ne marchera jamais. Ça ne peut pas marcher. Du spectacle en conserve. Bon, là, faut réagir. Vous êtes sûr que c'est nécessaire, patron? C'est un triomphe. Je le savais, ça va pas durer. Ça dure jamais. Bon, la fois gire. Trêve de contorsion, Jack. C'est l'heure de l'action. Voilà ce que tu vas faire. Alors tu vas... Patron, vous parlez à mes pieds. Une place. 50 cents pour voir, c'est pire qu'au poker. Lumière. Lucky Luke. Non, je voulais dire, il faudrait éteindre la lumière. Bon, où je l'ai mis? Thank you.
va bien? Jusque-là. Quel réalisme! Ça, c'est fumant. Oh, ça chauffe! C'est normal que l'écran flambe? Ah non, ça, c'est nouveau. Au feu! Tout le monde dehors! Du calme, cowboy, c'est que du cinéma. Cette fois, non, je ne crois pas. Oh, adieu, cité Manotric. Bien joué, Jack. Si ce cowboy m'a reconnu, je suis grillé. Reste là. Je vais aux nouvelles. Venez, chérie. Quand mon abreuvoir est vide, je le plains. Sacrée française. Oh, ça, c'est du spectacle total. Plus vivante, tu meurs. J'avais plus autant rigolé depuis quand t'as sorti d'Atlanta. Je savais que ça finirait mal. Ça finit toujours mal. C'est grandiose! Il faut absolument que je filme ça! Seigneur, la caméra! Paix à ses cendres. Oh, pas question! Restez là, malheureux! Tout va s'effondrer! J'ai la caméra! C'est mon petit John à moi, ça! Dites, un petit coup de main sera le bienvenu. Bravo! Très réussi! Ça, c'est du cinéma! Ça qu'on cesse la nuit de rigolade, c'est donné! Quel tabac! On rebâtit en plus grand et on continue! Hélas! Hélas! Il n'y a plus rien à projeter, tous les films ont brûlé. On rentre à la maison, on rentre à la maison! Néanmoins, il reste de la pellicule vierge! Allons, c'est décidé, je tourne un nouveau film! Si c'est pour jouer l'incroyable homme poulet ou la renversante femme sans tête, je démissionne. Qui te parle de ça? Mais je suis trompé, j'ai pas honte de le dire. Le cité manographe, c'est l'avenir. Et tu connais le vieux principe du business. Ce que tu peux pas empêcher, rachète-le. Racheter? Oui, enfin, voler, c'est pareil. Jack, mon petit, il me faut cette caméra. Attends quoi, là? L'entrée du train en gare, c'est pour un remake. Il risque d'attendre longtemps. Il aurait plus vite fait de filmer la diligence, ou bien... Diligence? Vous avez dit diligence? Mais oui, c'est ça! Filmons une attaque de diligence! Filmer une attaque de diligence? Mais c'est idiot! Enfin, les bandits ne fournissent pas leurs horaires, et je doute qu'ils vous laissent filmer. Il suffit d'en organiser une! Avec des acteurs! C'est trop demandé, un peu de concentration. J'ai un rendez-vous, moi. Nous allons tourner quelques bouts d'essai pour le rôle du justicier. J'ai tout naturellement pensé à vous. Salut, Boblon. Bertine. Salut. Là. Qu'est-ce que vous voulez que je fasse? Soyez vous-même, jouez le héros. Ça tourne. Je préfère ne pas voir ça. Ça suffit. Chacun son rôle. Moi, c'est Cowboy solitaire. C'est un ténébreux, ton cavalier. J'adore les ténébreux. Bon, qui va jouer le justicier? Je ne sais pas si j'ai le bon profil. Acteur, ça ne s'improvise pas. Il combat, c'est ça, faute de... Je paye 10 sous la journée. Bien. Maintenant, qui veut faire le voleur? Lui! Mes patrons! Taratata, mon petit Jack. Il ne sera pas dit qu'Al Carnegie ratera l'entrée du train de la modernité dans la gare du progrès. Les erreurs du passé, faisons table rase et bâtissons de conserve l'avenir radieux du cité manographe.
cinématographe, mais c'est gentil quand même. Bon, passons aux autres rôles. Qui veut un rôle? Mais je comprends pas, patron, de me voler cette caméra! J'ai un petit plan. Pendant cette attaque, toi, le faux voleur, tu joueras au vrai. Et la vraie fausse attaque tournera au vrai vrai coup monté. Machiavélique, pas vrai? Viens. Confiez-moi au moins le rôle du conducteur de la diligence. Avec ces deux-là dans le casting, je me sentirais plus rassuré. C'est-à-dire, enfin, je ne sais pas si vous avez le physique de l'emploi. Votre cheval, en revanche... Quoi, mon cheval? Vous croyez qu'il sait se servir de ça, mon cheval? Désolé, cow-boy. J'apporte les armes, je les pose où? Avec les accessoires, sur la table. Mademoiselle Fifi, au moment de l'attaque, vous vous serrez bien fort contre monsieur le maire, car vous avez très peur. D'habitude, c'est plutôt lui qui me sert. À quel moment je chante? Aucun, c'est du muet. Le voleur, où est notre voleur? J'arrive! Dis-moi, petit, c'est pour qui cela? Pour le héros, monsieur. Alors c'est pour moi! Oh, ça va? J'apprends que vous allez jouer. Un rôle à contre-emploi, le genre de challenge qui me plaît. L'important, c'est que tu me surveilles Jack pendant que je m'occupe de Carnegie. L'important, c'est que je garde ce petit air ténébreux qui lui plaît tant. Vas-y doucement, je le sens un peu faible. Te bile pas, cow-boy, j'aurai la main légère. Je parlais à mon cheval. Tout le monde est là? On tourne! Après vous, ma chérie. Que je vous reprenne à appeler cette fille, ma chérie. Mais Marjorie, c'est dans le rôle. Mon mari avec cette créature. Vous imaginez le qu'en dira-t-on? Il pourrait faire le cocher. C'est ça! Et qui fera le maire? Ta fifi, là. Ça lui irait bien, fille-mère. Vaut mieux être fille-mère que femme au père. Je veux bien faire mère, moi. Dites, j'avions prêté la diligence. Ça vaut bien le rôle du maire, ça. Mais vous n'y pensez pas. Ah non, Carnegie, vous retournez votre cœur. Un simple cocher. Justement, qui sont simples. Ça fait mal. Je vous en prie, calmons-nous. Dites-moi, vous n'allez pas aider votre frère? Moi, j'entends le désastre. Ça finit toujours en désastre. Bon, ça y est, on peut commencer? Bon, ben, diligence une première. Et moi, je me mets où? Ah, le voleur. Mettez votre foulard et attendez que Double Bill, qui joue le shérif héroïque... Et pourquoi c'est Double Bill qui joue le shérif héroïque? Bah, d'autant plus que c'est ma diligence. Bon, on va pas tout changer. Et pourquoi pas? Shérif héroïque, ça m'irait très bien. C'est un rôle plutôt à ma mesure. Allons-en de mesure, vous êtes tout petit. La taille ne compte pas. Ça dépend laquelle. Bon, cher administré, je vous avais dit, un désastre. Pardon? Le foulard, imbécile. Enlève le foulard. Fini de rigoler, hein? Ceci est une authentique attaque à main armée. Les mains en l'air. Pas mal, mais le regard manque d'intensité. Personnellement, je trouve qu'il surjoue. Les mains en l'air, tout le monde. Je suis un vrai, vrai bandit. Et ceci est un vrai, vrai hold-up. Parfait! Toi, envoie la caméra! Mais ce n'est pas du tout ce qui est prévu au scénario. J'improvise! Moi aussi. Toi, t'es pas dans le film! Raté! Tu m'as raté! T'es vraiment un mauvais. Bala blanc pour tout le monde! Surtout que ce n'est pas mon Colt. C'est moi qui l'ai, ton Colt. Et il n'est pas chargé à blanc. Je prends la caméra. Le cinéma, c'est l'avenir. Mon avenir, pas le vôtre. Cher ami. À la voyure. Le succès m'attend. Ah, je crois que c'est à moi. Bien joué, Jolly, rattrapons l'autre. Et tout ça lui paraît naturel. C'est fini. Histoire.
Un désastre ? Qu'est-ce que je vous disais ? Pardon ? Excusez-moi. Pardon. Lâche cette caméra ou je défais ta ceinture et c'est le grand plongeon. Pardon. Excusez-moi. Pardon. Enfin. J'en ai marre. Clap de fin, Carnegie. Fantastique! On la refait. Alors, un succès. Je suis obligé de le reconnaître. Encore bravo, petit. Sans ton idée des balles à blanc, le film ne passait pas la censure. Rappelle-moi ton nom. Ford, monsieur. John Ford. Je t'ai prédit un bel avenir dans le cinématographe. Bon, nous allons pouvoir commencer. Où est Lucky Luke ? Ok, cowboy, j'arrive. Bertine. Jolie. T'as de beaux yeux, tu sais. Un beau naturel, ce Lucky Luke. Une vraie présence. Mais quel mauvais acteur ! I'm a bold, lonesome cowboy. Of Ohio, wearing his beautiful chapeau, but who is Caballero? The Emperor of the Far West, when he gains his revolver, he can shoot a fly d'un seul geste. In the desert, there is person, never a coup de téléphone. He's a cowboy, poor and lonesome. Il a pas peur de personne. Pas surtout des Dalton. Il n'a pas peur de personne. Messieurs, j'ai honte d'être américain. Nombre de nos citoyens sont incultes. Nos pionniers de l'Ouest sont plus occupés à se tirer dessus qu'à s'instruire. Si nous voulons qu'une jeune nation comme la nôtre devienne puissante, il faut les Américains éduqués. Or, notre Ouest sauvage manque d'école. Messieurs, remplaçons les Colts par des crayons et les armes par les livres. Ça va pas, non? Les Colts, c'est l'Amérique. Essayez de chasser avec un... C'est la guerre, Smith et Wesson, je vous rappelle à l'ordre. Poursuivez, sénateur Upgrade. Je vous demanderai donc de voter l'opération CES, culture et éducation dans l'Ouest sauvage, comme les hirondelles annonciatrices d'un nouveau printemps intellectuel, des volées d'instituteurs s'égayeront à travers le pays. Ils seront les soldats de la connaissance. Leur inflexible moralité les guidera sans faillir vers l'accomplissement de leur mission sacrée. Implanter des écoles pour instruire les malheureux fermiers de l'Ouest labourés d'inculture et d'illettrisme. Ma mission s'annonce sous les meilleurs auspices. Un vulture rustica, sympathique rapace diurne friand de charogne, me souhaite la bienvenue dans le... Bienvenue en Arizona, piéton. Les mains en l'air, corne verte. Et que t'envoies l'oseille, car que sinon on te descend et que tu le regretteras. Mon pauvre ami, votre syntaxe est déplorable. De plus, il m'apparaît difficile d'exprimer des regrets lorsque l'on est décédé. C'est vrai, ça. T'as le causé mauvais, Dino. Que c'est quoi, la sainte taxe? Je rédige une plainte que vous porterez au shérif le plus proche. Vos armes sont confisquées jusqu'à nouvel ordre. Mais c'est rigolé. Nous, c'est ton fric qu'on confisque. Et que même
j'ai bien envie de te traîner un peu derrière mon cheval pour que ça t'apprendra le respect. Un peu. Enlève les bras, tas de coyotes. Vous l'avez échappé belle. Ces trois fripouilles vous auraient descendu comme un lapin. Allons, ce sont de toute évidence de malheureuses victimes d'un mauvais environnement socio-éducatif. Plus à plaindre qu'à blâmer. Hein? Je présume que vous venez juste d'arriver dans l'Ouest, Mister... Irving Strait, instituteur. Votre intervention mérite un bon point. Nom et prénom. Luke. Lucky. Eh bien, Luke Lucky, sachez que le dialogue et l'instruction sont de meilleures armes contre la violence qu'un Colt, aussi rapide soit-il. Où allez-vous? À Rao Gulch. J'ai une école à bâtir et des cerveaux vierges qui m'attendent. Je ne crois pas qu'un instituteur soit le bienvenu à Rao Gulch. C'est la pire ville de l'Arizona, un coupe-gorge, aux mains d'une bande de crapules. Même les couches les plus basses, les vases les plus profondes des étangs boueux de l'humanité ont droit à la lumière du savoir. 5, 4, 3, 2, 1. On ne peut pas le laisser tout seul. Zéro. Il va encore fourrer Menazo dans une affaire qui ne le regarde pas. Un type assez fou pour vouloir alphabétiser les pires crapules d'Arizona mérite respect, sympathie et coup de main. Strait, je vous accompagne. Ainsi, je livrerai ces trois crapules au shérif de Rao Gulch. On est de la bande à Jim Hilarious pourri, tu sais. Et il va pas être content que t'as fait des ennuis à ces gars. Tu feras bien mieux de nous détacher. On ne dit pas tu feras mieux, mais tu ferais mieux. Conditionnel. Je veillerai à ce que le shérif vous fasse réviser vos conjugaisons en cellule. Étranger avec EN, on a un beau O accent circonflexe, cibetière avec un S et deux T. Quelle orthographe. Il est temps que j'arrive. Il est évident que la faune locale est terrorisée. C'est un des symptômes basiques de l'ignorance. Shérif, j'ai des clients pour vous. Debout là-dedans. C'est l'heure de faire son travail. Qu'est-ce que c'est, étranger? Vous visitez la région? C'est pas l'office du tourisme ici, c'est le bureau du shérif, hein? On est fermé de midi à minuit et de minuit à midi. Eh bien, aujourd'hui, c'est la journée porte ouverte. Mais... C'est des hommes à Jim pour riche? Qu'est-ce que vous voulez que je fasse? Votre devoir. Que vous les boucliez. Présent du subjonctif. Ouh! On boucle pas comme ça par ici. On n'est pas chez les sauvages. Faut un motif. Il y a des lois. Tentative de vol et d'homicide. C'est suffisant? Sans compter les fautes de grammaire et de syntaxe. Ouh là là! Vous avez des preuves? S'agirait pas de commettre une erreur judiciaire? Surtout avec trois sympathiques bienfaiteurs de la ville. Ah ouais, ouais, que c'est une erreur très très judiciaire. On a rien fait, Wilbur, tu nous connais. Qu'on le jure que c'est eux qu'on commençait. Voilà trois témoignages spontanés qui contestent vos deux témoignages que je qualifierais de partial et de moins nombreux. Partiaux? Quoi, partiaux? C'est un pluriel. Impartial comme l'instituteur, partiaux comme les voyous et les lâches. Attention, sinon c'est vous qui allez aller en prison pour insulte à la loi qui est représentée en la personne de moi. En ma personne? En ma mienne! Shérif, cette étoile sur votre poitrine vous confère des devoirs. La population de Rao Gulch attend que vous fassiez régner l'ordre, la loi et la justice. Pilier de... Libérez les prisonniers! Ces trois hommes sont des fripouilles, et vous le savez. De qui avez-vous peur? On n'a pas peur de personne! Sauf qu'on veut pas d'ennuis avec Hilarious Pourriche. Rao Gulchien, Rao Gulchienne, je suis Irving Strait, votre maître d'école. Connaissez-vous ce grand pays? Allons, ne me dites pas que personne ne sait quel est ce pays! C'est pas l'Amérique, des fois. On ne dit pas des fois, mais parfois. Comment t'appelles-tu, mon garçon? Smith, monsieur. Eh bien, mon petit Smith, apprends que ce sont les États-Unis d'Amérique. Ce n'est qu'une petite partie, au demeurant immense, du continent américain qui comprend l'Amérique du Sud, l'Amérique centrale et l'Amérique du Nord, que nous partageons avec nos sympathiques voisins mexicains au sud et canadiens au nord. Très bien. Et maintenant, qui peut me dire parmi vous qui a découvert l'Amérique? C'est Smith! Vous êtes tous des ignorants! Et c'est pour cette raison que vous vous laissez terroriser par des bandits comme ce pourriche! L'ignorance génère la peur! Et le seul moyen de lutter contre l'ignorance, c'est l'instruction! Y a-t-il un endroit où nous pourrions accueillir l'école le temps d'en bâtir une? Il n'y a pas une seconde à perdre à ce que je vois! Ben, je vois pas, non? Y a plus une bicoque de libre.
À part le saloon qui est vide la plupart du temps à cause que la limonade à ce bandit allait frelater. Très bonne idée, le saloon. Ça fera une excellente salle d'études. Quoi? Mais c'est pas fait pour ça! Vous avez entendu votre shérif? Représentant de l'autorité locale, en dépit de sa méconnaissance de la grammaire. On fera donc l'école au saloon. Hein? Pas question de faire l'école au saloon! Ni de faire l'école tout court! C'est moi qui fais la loi ici! Et les études, j'aime pas ça! La preuve, j'ai arrêté de les poursuivre! Est-ce que vous avez à pas rigoler, vous? En général, on rigole quand Jim Hilarious Pourriche fait un bon mot. En général, je rigole quand c'est drôle. Les choses vont changer ici. Cette bourgade, trop longtemps épargnée par l'humus vivifiant de l'intelligence, verra sa première école ouvrir dès demain. Wilbur, 100 mégas de tacabane. Faut pas qu'il rate le lynchage de ces deux pinces sans rire. Compris? À partir de maintenant, c'est la loi qui fait la loi ici. Ces trois hommes resteront en prison jusqu'à ce que tu les y rejoignes, Jim Hilarious Pourriche. Oh. Je reviendrai. Et si j'apprends que l'un de vous est allé à l'école, il passera son certificat d'études en enfer. Je crois que c'était une menace. Une pauvre menace qui n'arrêtera pas la marche du savoir. Plus à gauche. Ah non, trop à gauche. Voilà, 10 sur 10. Un saloon transformé en école, rien de mieux pour étancher sa soif de connaissance. Eh bien, tout est prêt pour recevoir les élèves, les enfants le matin et les parents l'après-midi. Ainsi, les premiers pourront toujours aider les seconds à faire leurs devoirs. Je donnerai ma première classe sitôt après le déjeuner. Monsieur Pourri, je vais pas être content! Il faut se débarrasser de ces deux-là si on veut continuer à terroriser la population tranquille. D'abord, le causeur à binocle, c'est le plus dangereux. C'est pas une blague, bande de crétins. Avec son blabla, il risque de donner de mauvaises idées aux gens. Faut lui coller une bonne frousse pour qu'il quitte la ville ventre à terre. Eh bien, qu'est-ce que c'est que cette rentrée scolaire sans élèves? C'est sûrement le trac du premier jour. L'école gratuite est obligatoire pour tous! Une heure de colle par minute de retard! Je m'occupe du ramassage scolaire, prof. Je suis bien trop vieux pour aller à l'école. Vous avez un mot de vos enfants pour vous en dispenser? Bienvenue au cours préparatoire. Je lis dans vos regards pétillants une soif d'apprendre que je m'efforcerai d'étancher. Pour commencer, nous allons faire connaissance. Vous allez remplir les feuilles que je vous ai distribuées et y indiquer vos noms, prénoms, âge et profession des parents. Un problème? Je m'appelle Spignocheski. Je suis né, je sais pas quand, et je sais pas lire, et encore moins écrire. À part votre petit camarade, Zbignoshevski, qui d'autre encore ne sait ni lire ni écrire? Il en faut bien un pour écrire les noms sur les tombes. Chut! Moi, je sais pas lire et écrire, mais je sais compter. Menteur, tu te trompes toujours quand tu rends la monnaie. Je vous amène un retardataire, prof. Élève Wilbur, vous êtes en retard. Vous me ferez 200 lignes dès que vous saurez écrire. Asseyez-vous au premier rang. Ouh là là, ça va faire du grabuge tout ça. Bon, il vaut mieux que j'aille surveiller les trois lascars pendant que le shérif s'instruit, prof. Les cours sont valables pour tout le monde, monsieur Luc. Pour vous comme pour ces trois égarés. Écoutez, prof, moi je sais lire et écrire et les prisonniers sont potentiellement dangereux. Quelle est la capitale de l'Ouzbékistan? Combien de côtés a un dodécaèdre? Comment se conjugue le verbe zinzinulé à l'imparfait du subjonctif? Vous voyez, vous avez encore beaucoup de choses à apprendre. Asseyez-vous. Il faut que vous teniez l'exemple. Si vous ne m'aidez pas, ma tâche va être ardue. Vous serez un exemple galvanisant pour tous ceux qui, encore réfractaires au bienfait du savoir, se disent que dans la vie, il suffit de savoir tirer au pistolet pour s'en sortir. A, O, B, C, D, E, F, G, H,
Arrêtez de rire, je vous remplis de plomb. Monsieur Luc, apportez-moi cette arme. Voyons, prof, je plaisantais. Vous la récupérerez à la sortie. Et vous me ferez 200 lignes. Je ne dois pas menacer mes petits camarades, même si ce sont des gibiers de potence. Quoi ? Vous êtes un modèle pour cette communauté. Si vous refusez, mon autorité s'écroule à leurs yeux. T'as le choix, c'est la prison ou l'école. La prison, la prison. Êtes-vous l'auteur de ce manuscrit, jeune homme? C'est pas moi, monsieur, c'est mon patron. Eh bien, je ne le félicite pas. Il y a une faute par mot. Coyote, avec deux T. Si tu fais, et accent aigu, l'école en deux mots, T, comme une T d'oreiller, un homme mort, en un seul mot comme une omelette. Zéro, c'est tout ce que ça vaut. Et vous lui direz à votre cancre de patron qu'il ferait bien de s'y remettre aux études. Zéro? Il a osé me mettre un zéro? Personne n'a jamais osé mettre un zéro à Jim Hilarious pourri. Ce damné binoclard va retourner la ville contre moi. C'est pas une blague, crâne de putois. Je vais faire plein de petits zéros dans son gilet. Et ça, c'est une blague, patron? Oh. Fais pas de rature, Luc. Sinon, c'est le bon élan demain. La ferme, les Frombas. Vous avez 15 alphabets à recopier. Extinction des feux dans une demi-heure. Alex, tu rentres directement à la maison, compris? Allez, tout le monde en classe. Le cours des adultes va commencer. Le verbe « dire » est donc un verbe du second groupe. Au présent, il se conjugue ainsi. Je dis... Spignoshevski ! Que trouve-t-on après « je dis » ? Vendredi. Je dis, tu dis, il dit, nous disons, vous dites, il dit. Que celui qui a fait ça se dénonce. Bourriche. Les guerriers, au feu, les profonds milieux. Oh. Hein? C'est pas un peu fini ce chahut? Monsieur Luc, je vais devoir confisquer les armes à feu dans l'enceinte de cette école. Oh, vous rigolez, prof? Donnez-moi votre arme, monsieur Luc. La plaisanterie va trop loin. Si je suis désarmé, l'école sera à la merci de... La violence ne résout rien. C'est par l'exemple que s'impose l'autorité. Monsieur Pourriche, il est temps de mettre un terme à cette situation intolérable. Entièrement d'accord. On va mettre un terme au maître. On rigole, bande d'abrutis! Tout de même. Ah, c'est malin. Luc! Hé, patron! Qu'est-ce que vous faites? Je m'entraîne pour le marathon de New York, crétin! Pour cette fois, je passe l'éponge. Un train part de Saint-Louis le 15 septembre à 14h. Son arrivée est prévue à Carson City le 21 septembre à 19h. Il subit 45 attaques de bandits, durant chacune en moyenne une demi-heure, plus 20 minutes pour déblayer la voie. Compte tenu d'un retard prévu dans l'horaire de 2 jours et demi, la dernière heure arrivera-t-il à destination? Bien, vous me résolvez ce problème pour demain. Coyote. Bonsoir, monsieur Luc. J'ai mes cours particuliers à donner aux mères de famille nombreuses. J'attends de lire votre dissertation philosophique sur le crépuscule des idoles. 5 x 5, 5 x 2, 10, 5 x 3, 15. Y'a rien à faire avec ce fichu Lucky Luke. Pour en venir à bout, j'ai besoin de tous mes hommes. Faut sortir Bob, Jack et Max de prison. Traiter Olivier. On n'était que tous les deux dans le saloon pour mon cours de rattrapage quand Hilarious et ses chiens de prairie ont débarqué et l'ont emmené. Ah, ils sont partis vers la rivière d'où l'on ne revient pas. Dites, vous avez du noir sur la figure.
Curieux, ces crapules ne se sont même pas donné la peine d'effacer leurs traces. Je vous serai reconnaissant d'agir rapidement. J'ai un poids de côté. Tenez-vous prêt. À quoi? Les étaux étaient glaciales. Bizarre. Plutôt que de vous descendre, Pourriche nous a fait ce numéro de cirque. Ça vient de Rogulch. Votre enlèvement n'était qu'une grossière diversion, prof. Je voyais bolide. Ah, et vos trois élèves ont fait l'école buissonnière. Dommage, ils faisaient des progrès. Ah, maintenant qu'ils sont en nombre, Pourriche et sa bande vont certainement tenter quelque chose. Hello, prof. Bonjour, monsieur Luc. Vous disiez? Je crois que ma média nocturne m'a rendu la faune. Bah, ne faites pas classe aujourd'hui. Vous allez faire la classe le temps que je retrouve ma voix. Si. Moi? Vous plaisantez? Je vous en prie. Vous seul avez suffisamment de connaissances pour assumer mon poste. Sacrée promotion. Jusqu'à présent, vous vouliez que je fasse l'élève et maintenant le prof. Et surtout, surtout, ne faites pas le gour avec votre bise de lait. Vous me le promettez. Si t'arrêtes pas de copier, je te descends à la récré. Ouais, je copie pas. Ah non, à la question 2, j'ai marqué je sais pas. Et toi, moi non plus. Et alors, c'est pas une preuve. Si t'aurais mis je sais, j'aurais mis moi non plus aussi. Et pourtant, c'est le contraire. Donc ça veut dire que j'ai pas copié. Bienvenue au cours. Votre professeur est malade et je le remplace. Je lis dans vos regards étanches une soif que je m'efforcerai d'apprendre. Après avoir vu ça, je peux mourir tranquille. Je vais inscrire la leçon du jour qui va être... géométrie. Je veux dire géographie. Comme vous pouvez le constater, la Terre est ronde. Oh hey fait remarquable, le pôle Nord est au Nord et le pôle Sud au Sud. Ça, c'est pensé tout de même. Notez comme la nature est bien faite. Les fleuves se jettent tous dans la mer. Moins vite, monsieur le maître, j'arrive pas à écrire. Toutefois, attention, dans la réalité, la Terre n'a pas de socle. Ah bon? Bien. Restez assis, les ploucs. C'est gentil d'avoir laissé ta pétoire à l'accueil, Luc. Je viens passer mon diplôme d'éliminateur de gêneurs. Quand il a Hilarious Pourriche fait une blague, on rigole. Désolé, monsieur Pourriche. On a de l'instruction maintenant. Et il faut des plaisanteries moins bêtes pour nous faire rire. Ouais. On est des gens cultivés, nous autres. Et on en a assez de vous, de vos hommes douteux et de vos plaisanteries tout aussi douteuses. Bravo, prof. Vos élèves ont fait beaucoup de progrès. En matière de courage. Oui, Mister Pourriche vient de prendre sa première leçon de choses. Mais il a toute une éducation à refaire. Bien mal acquis. Ne profite jamais. Qui vole un œuf? Vole un bœuf. Plus vite, Coyotignard. Je veux une prison plus belle qu'avant. Et après, vous construirez une école. Le crime ne paie plus. Vous avez fait des miracles, prof. C'est vous que je dois remercier, monsieur Luc. Sans votre aide, je... Sans vous, jamais... Monsieur Luc? I'm a poor lonesome cowboy.
poussière of Ohio, wearing his beautiful chapeau, but who's his caballero? The Emperor of the Far West, when he begins his revolver, he can shoot a fly d'un seul geste. In the desert, there is person, never a coup de téléphone. He's a cowboy, poor and lonesome. Il a pas peur de personne. Pas surtout des Dalton. Il a pas peur de personne. Elmer Rotten. Arnaqueur! Bandit! Pour Bribery Town, Trap City, Rip of Gulch et Ivy Gulch, en voiture! Je suis médecin. Urgence! Ne pas lâcher! Surtout ne pas lâcher! Dieu, la civilisation! Je vais écumer les bouseaux. Je t'en prie, ce train! Si vous êtes pressé d'aller dans l'ouest, prenez le suivant. Il part dans une semaine. Ou bien... Avec les crotales et les vautours, il sera en famille. $100, $150, $200, $250, $300. Le castor ne fait plus recette, mon vieux. On devrait peut-être se mettre au visant. Hein? Oh bah oui. Ota, ochichi. Oh bah oui. Davai, davai, musique. Molo, molo, mol, mol, molzek. C'est quoi votre truc étranger? Moi, magicien, venu de très loin. Pour $10, moi pouvoir doubler argent vôtre. $10? Faites voir, étranger. Fermez les yeux. Vous pas devoir voir ma magie. Sinon, quick, transformez en pigeon. Brousouf, brousouf. Pépette, oseille, oseille. $10. Ça y est, on peut regarder. L'Ouest, c'est le paradis. Dommage qu'il y ait de la campagne autour de ces bouseux. Je hais la nature. Bonjour, mon petit. Dr. Worst, bureau des affaires dentaires. Tu permets que j'examine ta sucette? Un grand gars qui roulait des airs avec des habits de pas de chez nous. Un monsieur très distingué, avec un haut de forme. Hé, hey, Plamy, y a-t-il un hôtel dans le coin? Le Racket Place, au bout de la rue. Racket Place? Quel joli nom. Hôtel Racket Place, garantissant plus ni punaise. Donnez-moi un billet de $100. Non, très drôle. Vous connaissez celle du bison et de la squaw? Horace Gossip, agence Pinkerton. On m'a signalé des faux billets dans la région. Je dois vérifier vos dollars. C'est un faux. Je le garde comme pièce à conviction. 1000 bouses de bison. J'allais le dire. Je réquisitionne une chambre. Je vais rester dans le coin pour mener l'enquête. La 12, au premier. Il vous reste une chambre pour la nuit? La 14, Lucky Luke. La meilleure. Vous visitez Ivy Gulch? Juste de passage. Une semaine que je cavale après ce chien. On est déjà arrivé? Le pénitencier a drôlement changé. Thank you.
étranger. Hello, old-timer. Ah, laissez passer. Ça n'a pas l'air d'aller fort, grand-père. Aide-moi à monter sur le comptoir, fils. Écoutez-moi, vous autres. Je suis Pic-Pit, chercheur d'or. Je viens de trouver le filon du siècle, les gars. À Old River, ma mine d'or. Mais c'est trop tard, j'ai un pied dans la tombe. Je peux plus creuser, les gars. Tout fiche le camp. Mon foie m'arrête tout. C'est quoi ton offre, old-timer? Je vends ma concession, les gars. Je veux finir mes jours tranquilles, dans un vrai lit. Bon, j'ai pas beaucoup de temps. La mise à prix est à... 5 000 $. 6 000 10 000 10 000 20 000 25 000 35 000 Une limonade. Luc, un peu de respect. Ce pauvre grand-père va bientôt nous quitter. Mmh. Avec votre argent. Terre et dorure. Attrape-nigo classique. J'en connais un qui va se retrouver avec sa concession à perpétuité. Ouais, cet homme sera remis au shérif et jugé. Qu'est-ce qu'on fait? Tu tires plus vite que lui. C'est donc toi, le fameux Lucky Luke? Où t'as appris à tirer comme ça? C'était papa Luke, ton prof? Ou ta maman? Ben, réponds. T'es pas cousin? Hey, Luke, on pourrait s'associer? Tu sais que ton nom vaut de l'or? On va voir ce que vaut le tien. 1 000 $. Elmer Rotten, recherché pour escroquerie, exercice illégal de la médecine, tromperie sur la marchandise, et j'en passe. Merci, Lucky Luke. C'est un beau crotal que vous nous avez ramené. Il y a une récompense! Versez-la à l'orphelinat des shérifs. Je vais dormir. Si vous avez des dollars à épargner, je connais de très bons placements. Shérif, comment êtes-vous entré? La porte était ouverte. Nous avons un petit souci. Rotten s'est évadé cette nuit. Félicitations, shérif. Je vous confierai pas ma chemise. Mes vêtements. On m'a volé mes affaires. Ça, c'est un coup d'Elmer Rotten. Qu'est-ce que peut bien mijoter ce rascal? Cherche, en ton plan, cherche. Où sont mes vêtements? Oh non, oh non, j'ai pas envie de mordiller. Pas à jeun. Excuse-moi, vieux. C'est pas ce qui m'a pris. Et je vous demande d'applaudir bien fort. Lucky! Merci, mes amis. Merci à vous, habitants de Trick Gulch. Merci de votre générosité. Grâce à cet argent, nous allons réaliser mon rêve, fonder un hospice pour les cow-boys retraités. Vous l'ignorez sans doute, mais j'ai eu une enfance difficile. Mon père n'a jamais eu de chance. Après son grave accident de chariot, maman l'a quitté pour un lanceur de couteau, hongrois. Alors, pour me nourrir, il gardait les vaches en fauteuil roulant, attrapant les veaux au lasso qu'il tenait entre ses dents, ses mains ayant été emportées par un boulet, un fort alamo.
Ce pauvre homme a dû travailler jusqu'à son dernier souffle pour me nourrir. Il n'a jamais eu assez d'argent pour souscrire une assurance. Plus jamais ça. Demain, nous irons poser la première pierre de notre hospice de la colline fleurie. Grâce à vous, les vieux cow-boys auront la paisible retraite qu'ils méritent. Je n'ai qu'une parole, voici votre première pierre. Ah ah. Mes amis, ce coyote de Lucky Luke nous a possédés. Je vous promets qu'il va s'en repentir. Ça va, ça va. Ce sont les seuls vêtements que j'ai pu dénicher. Quelle fierté de voyager avec un cow-boy aussi élégant. Monsieur ? Chemise jaune, foulard rouge, pantalon bleu, gilet noir et chapeau blanc. Vous n'avez besoin de rien d'autre ? C'est la saison des soldes. Main en l'air. Elliot Belt, le chasseur de primes. Je vois que t'as l'air ravi de me revoir. C'est beau l'amitié. $1,000 pour le célèbre Lucky Luke. J'aurais espéré beaucoup plus. Navré de te décevoir. Oh, tu ne me déçois pas. Te ramener pieds et poings liés à un shérif, j'en ai rêvé des centaines de fois. Bouge pas. Non. Si. Désolé, c'était vraiment trop tentant. Ça, c'est signé Elmer Rotten. Je crois que je vais profiter des soldes. Mince alors. L'ami de Lucky Luke a fait une mauvaise chute dans l'escalier. Pourtant, c'est curieux. Je vois aucun escalier. Lucky Luke, $2,000 de récompense recherché pour escroquerie par les comtés de Trick Gulch, Noisy Town et Nasty City. Cette tête vous dit quelque chose, hombre? Ah non, une sartrogne comme ça, ça ne s'oublie pas, hein. Jolly. C'est la première fois que je suis à ma propre poursuite. Cette boule de papier m'a attaqué. Il faudrait dire à ce cheval qui s'est trompé de cavalier. Qu'est-ce que c'est que ça? Des coyotes volants? Pas de ville, pas de saloon, pas de gogo. Le désert, c'est mal fait. Les objets sont vivants et me détestent. Eh bien, petit, qu'est-ce qui t'arrive? C'est Lucky Luke. Il m'a volé mon 4 heures. Lucky Luke? T'es sûr que c'était bien lui, petit? Bonjour de Lucky Luke. Quelle direction? Je m'en rappelle plus, mais je sens que pour $1, ça va me revenir. Par là, vers Trap City. Et voilà, monsieur Luke, $15,000. Votre argent est entre de bonnes mains. Je n'en doute pas. Nous vous remercions de vous charger de ce transport. Il y a tant de gens malhonnêtes. Oh, à qui le dites-vous? Monsieur Luke, je me sentirais plus rassuré si vous acceptiez de prendre soin de mes économies personnelles. C'est pas croyable ce que j'aime le Far West. Tous plus crétins les uns que les autres. Hop, l'affaire du jour, $15,000. Merci Lucky Luke. Pas de quoi. Lucky Luke, je me demandais où il était passé. Main en l'air, Lucky Luke. Main en l'air! Heureusement que j'étais là, hein, monsieur Luke?
Que se passe-t-il, banquier? Shérif, arrêtez cet homme! Incroyable! Ce Mexicain est déguisé en Lucky Luke. Lequel? Mais je sais plus. Je suis Lucky Luke, c'est ça, mais un escroc! Alors, le doute, il n'y a qu'à les pendre tous les deux. Je suis Lucky Luke. Cet homme est un escroc. Nous cherchons Lucky Luke. Oui, c'est ça. Vous avez bien raison. Je suis pas Lucky Luke, c'est lui. Alors, je vous arrête. Non, ça devient lassant, là. Je suis bien Lucky Luke, mais c'est cet homme que vous recherchez. Retirez tous, sinon je descends le capot. C'est lui, c'est Lucky Luke. Mon flair me trompe jamais. Non, non, laissez-le partir. Et si là je lui disais, vas-y à pied, cowboy. Je m'en occupe. C'est une affaire entre moi et moi. Saleté de sapin, c'est tous les mêmes. Où est passée la piste? Gentil cabot, t'es le chien de Luc. Tu dois être aussi malin que ton maître. Hein. Tu vas conduire tonton Rotten à la ville, hein? Cherche la ville, cherche. Il a l'air de se plaire ici. Je vais l'emmener visiter la montagne. Et ça, bon chien. Cochonnerie de nature, saleté de clébard. C'est beau, hein? Sans eau ni provision, il va pas aller bien loin, mon vieux joli. Un saloon, une auberge, un boui-boui. Trouve-moi n'importe quoi, j'ai faim. Tout ça, c'est bien beau, mais il faudrait qu'il pense à se nourrir. Je vais lui trouver des fruits sauvages. J'ai un flair infaillible pour ça. Là! Ça sent le coyote. On n'est plus très loin. J'ai faim. Est-ce que je peux avoir faim? Donnez-moi 10 dollars de faillot, 100 dollars de patates, un steak de 1000 dollars, un bœuf à 1 million. Il a l'air content de sa journée. Alors? Et ma pâté? Après tout ce que j'ai fait pour lui? J'adore les caresses, mais je préfère la pâtée. Comment on se retrouve, Coyote? Lucky Luke! Main en l'air! Cet horrible faux Luke attaque mon maître! Trente en plan, non! Incroyable.
incroyable. La même odeur que Lucky Luke. Bravo, Rentemplan, hein, bien joué. Il m'adore comme l'autre. C'est peut-être un jumeau. Ok, t'as gagné. Je te laisse avec tes amis de la forêt. Je rentre en ville faire un bon repas. Bye, Rotten. Tu viens, Rentemplan, faut pas traîner. Heureusement que je suis armé, il y a des bêtes sauvages dans le coin. Coyote, hyène, loup, ours, escroc. Pitié, emmène-moi, Luc, pitié. Des retrouvailles de jumeaux. C'est émouvant. La vie au grand air t'a donné des couleurs, Rotten. Un petit séjour à l'ombre ne te fera pas de mal. Ravi de vous voir, Lucky Luke. Vous nous amenez un nouveau locataire. Faudra vous méfier. Il est plus vicieux qu'un régiment de crotal. Pas de danger. Ici, les petits malins, on sait comment les traiter. Notre nouvelle cellule, haute sécurité. Les Dalton, vous l'avez accompagné. Hé hey, faut mettre les patins. Je viens de faire le sol. Un frêle, la ferme. Encore bravo, Lucky Luke. Je vais attendre qu'il sorte des cabinets. Peut-être qu'il voudra aller faire une nouvelle balade. Vous savez, je suis un peu magicien. Si vous avez 10 dollars, je vous les multiplie par deux. Ça marche avec des haricots. Avril, la ferme. Oh bah oui, Ota-Ota, Ochi-Chi. Davai, davai, music. I'm a bold lonesome cowboy. Of Ohio, wearing his beautiful chapeau, but who is Caballero? The Emperor of the Far West, when he gains his revolver, he can shoot a fly d'un seul geste. In the desert, there is person, never a coup de téléphone. He's a cowboy, poor and lonesome. Il a pas peur de personne. Pas surtout des Dalton. Il n'a pas peur de personne. Alerte! Alerte! La banque a été pillée! Regardez! Ils sont passés par le toit! Messieurs, je suis au regret de vous informer que vous venez d'être victime de Pepper Mint. Pepper qui ? Pepper Mint, le roi des montants l'air. Mais comment savez-vous ça, étranger ? Sa signature. Il fait une consommation immodérée de ses pastilles de menthe. Il digère mal ? On ne sait pas. On ne connaît ni son nom, ni son visage. C'est pourquoi on le surnomme Pepper Mint. Et vous le pourchassez, c'est ça ? Depuis l'Arizona. Shérif ? Si vous ne connaissez ni son visage ni son nom, à quoi le reconnaîtrez-vous ? À son haleine mentholée. Pour ton repos comme pour le nôtre, un édredon de plume vaut mieux que 10 grammes de plomb. Qu'est-ce que t'en dis, Jolie ? Pour une ville étape, ça paraît bien.
Frotte-toi un bain chaud et double ration de picotin. Je vais pas faire de vieux os, moi. Monsieur, monsieur. Les patins, monsieur, c'est le règlement. Limonade, grand format. Oh, on ne sert à rien d'aussi fort ici. Tisane, si vous voulez. Camomille. Verveine-mande, plutôt. Vous êtes sûr d'avoir besoin d'un excitant? Vous devriez me le confier. Il n'est pas recommandé de se promener armé à Slumberville. Merci, je ne sors jamais sans lui. C'est très calme, votre ville. Ouais. Vous êtes venu pour... En fait, je cherche un ami. Vous ne trouverez que des amis à Slumberville. Mon ami raffole de ses pastilles. Vous ne l'auriez pas vu par hasard? Mente forte. Oh, c'est pas le genre de la maison. Monsieur, bienvenue à Slumberville. Merci. Willow Woolipillow, constable de cette paisible localité. Et vous comptez vous en servir? En principe, non. Tant mieux. Parce que, voyez-vous, nous nous méfions des armes à feu. Moi-même, je n'en porte jamais. Vous venez pour... Je me demandais, vous avez une banque ici? Le bâtiment en réfection, avec un homme sur le toit. Vous ne pouvez pas vous tromper. Si c'est pour déposer votre... Je peux vous le garder. Merci, mais je me sens un peu nu sans... Bonjour, bonjour. Excusez-moi, j'étais sur le toit. J'ai vu ça. Des tracas récents? Des tracas? Oh, ça? Non, non, la routine. C'est pour un dépôt. Vous gardez beaucoup d'argent dans ce coffre? De l'argent? Oh non, nous ne gardons jamais d'argent ici. En revanche, si vous voulez déposer votre arme... Merci, je repasserai. Cette ville est très bizarre, old boy. Un saloon qui ne sert que de la tisane, un agent sans armes, une banque sans argent... Ma bonne Bertha. Vous voyez, porter une arme, c'est s'exposer à la tentation de dégainer. Qu'est-ce que c'était, Woolipillow? Ça, le révérend Calvin Wrightstuff, notre merveilleux pasteur volant dans l'une de ces drôles de machines. Vous êtes tous atteints dans cette ville. Je sais, c'est toujours déconcertant la première fois. Vous comprenez pourquoi nous devons rester zen. Allez, rangez ça, vous allez finir par blesser quelqu'un. Vous venez d'avoir votre baptême de l'air. Je vous conseille la fleur d'oranger, ça apaise. Donnez-moi plutôt des pastilles de cette marque. Fresh Brothers. Voyons. Ah, voilà. Vous en vendez beaucoup? Rarement. C'est trop fort pour les gens d'ici. Aaron, un grand flacon d'alcool iodé, des compresses de gaz, un pot de baume au camphre. Ah, de nouveaux essais en vue, Bertha. Silence, Aaron, on est trop. Les oreilles n'ont pas de mur. Vous me mettrez aussi 6 boîtes de pastilles Fresh Brothers pour le baron. Il y a un vrai boom sur la mande forte. Qui est-ce? Bertha, la gouvernante du révérend Wrightstuff. Faut pas lui en vouloir, elle est obsédée par les espions. Les espions?
Les machines volantes du révérend attisent bien des convoitises. On se demande pourquoi, d'ailleurs. Personnellement, j'ai refait 66 fois ma toiture. Mais ça va mieux à présent. Ils tombent surtout sur la banque. C'est le drame avec les armes. Emporter, c'est dégainer, dégainer, c'est tirer. Je le confisque, vous le récupérez en partant. Qu'est-ce que c'est? Je voudrais voir le révérend Redstuff. Vous êtes journaliste? Non. Espion, alors? Nous ne serons jamais prêts à temps, révérend. Patience, baron. Rome ne s'est pas faite en un jour. Rome peut-être, mais le jour J, c'est dans deux jours. Rien que d'y penser, j'ai... des nausées. Hein? Boulifilo, j'ai besoin de mon arme. Vous le quittez déjà? Je dois appréhender un dangereux criminel qui se cache au presbytère du révérend Redstuff. Ridicule! Le révérend défie les lois de la gravité, pas celles de la société. L'homme se fait appeler le baron, mais c'est le roi des montants l'air. Qu'est-ce qui vous fait croire que cet aristocrate serait un criminel? La prise de la pastille. Je me demande si vous n'êtes pas encore plus atteint que nous. Il vaut mieux sortir, c'est comme pour les tremblements de terre. Au début, il y en avait qui ne pouvaient pas s'empêcher de lui tirer dessus. D'où les armes à la banque. 50 sur la banque. L'église a 30 contre 1. Je savais que ça finirait par payer. Seigneur, notre échelle est trop courte. Laissez, on s'en occupe. Pas de doute, c'est cassé. Le chemin du ciel est pavé de fractures. Pour celle-ci, prévoyez un mois dans le plâtre. Un mois? Mais le jour J est dans deux jours. Un pilote! Il me faut un pilote! Fixé! Sans façon. Et parmi vous, un volontaire? Moi. C'est un énervé. Il a besoin de se dépenser. Ainsi, mon garçon, la conquête de l'air vous intéresse? Je serais plutôt conquête de l'ouest, mais ça ne m'a pas l'air très différent du rodéo, votre truc. Préparez-vous à chevaucher les nuages. Yaha! Aïe! Remuez pas tant, révérend. Vous ne connaissez pas l'irremplaçable Bertha, ma gouvernante, et l'ingénieux Fixit, mon mécano. Lucky Luke, cowboy terre à terre. Qui nous dit que c'est pas un espion? Un espion, comme c'est distrayant. Et voici le baron Von Flaps, mon généreux commanditaire. Baron, je vous présente Lucky Luke, notre nouveau pilote d'essai. Badwin Von Flaps, pour vous servir. Vous volez, baron? Moi, voler? Certainement pas. Je suis sujet mal de l'air. Nerveux? C'est mon seul cavalier, j'y tiens. Vous pompez ici, le clapet s'ouvre là, la pression monte et le régime augmente. Si le clapet ne s'ouvre pas, commencez à prier. Ne l'écoutez pas, mon garçon. Mon calvinoptère est une machine très sûre. Pompez, 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 pompez. Thank you.
gamin sous neuf. Ah, merci, merci. T'es nul. Il a touché aucun, toi. Oh, magnifique, mon garçon. Vous avez l'étoffe des héros. Les héros sont déchirés. Vous ne mangez pas, Baron ? Manger à 36 heures de... à jour J. C'est quoi au juste ce fameux jour J ? La présentation du Calvinoptère, après-demain à Fort Big. Fort Big ? La plus grande base militaire de l'État. Si l'appareil réussit son vol de démonstration, l'armée financera nos travaux. N'est-ce pas, Baron ? Si l'appareil réussit son vol. Pompez ici. Le clapet s'ouvre. Pression, régime. Pompez, pompez, pompez. Espion. Pas du tout, je m'entraînais à l'altitude. Vous êtes un as, Luc. C'est juste un coup à prendre. Un tour, Baron, je sens que vous en mourrez d'envie. Nous devons d'abord tester sa capacité en charge. Capacité en charge? Oui, je veux... L'armée veut un appareil capable de transporter des choses lourdes. Quel genre de choses? Je ne suis pas d'accord du tout. Moi non plus. Vous voyez, pas plus compliqué à piloter qu'une chaise. Vous voulez essayer? Ne lâchez pas les commandes! Je ne sens pas mûr pour l'aviation. Ouais, on devrait l'appeler le Baron Vert. Fort Big. Halte-le, on passe pas. Sergent, il faut que je voie votre commandant. On dérange pas le commandant de Fort Big pour le premier civil venu. Il est très occupé, le commandant de Fort Big. De la part de Lucky Luke. Connais pas, demi-tour. Je suis le pilote d'essai du révérend Right Stuff. C'est ça, et moi la cinquième fille du docteur Marsh. Allez, allez, circulez. Nerveux, c'est troufion. Ouais, on se demande ce qu'il garde comme ça. Un civil. Un civil. On n'en voit pas souvent à Fort Big, des civils. À Fort Big. Et c'est quoi d'ailleurs Fort Big? Chut, top secret. Et vous, vous buvez quoi? Chut, top secret. Barman, remettez-lui ça. Et alors là, le Mustang lui fait: mon brave, si les percherons volaient, vous seriez chef d'escadrille. Get up, old boy, je sais tout.
Bien joué, Jolly. Tu m'avais caché tes talents balistiques. C'est pas forcément le truc qu'on réussit deux fois. Il a volé le calvinoptère! Le malheureux n'ira pas loin. Le baron, un espion? Non, c'est Peppermint. Pepper qui? Le roi des montants l'air. Tout est là, c'est clair. Soyez-le également, mon garçon. Suffit de savoir que Fort Big abrite la réserve monétaire de l'État. Secret bien gardé. Des millions de dollars en billets neufs entassés dans les coffres de cette forteresse. Le baron m'a berné. Disons qu'il n'a pas la même conception du vol que vous et moi. Que faire, Seigneur? Que faire? Je ne vois qu'un moyen. Allez, allez! Sauvez l'honneur des ailes, Lucky Luke! Gaffe quand même, hein, les stabilisateurs sont pas stables. Pour le roi des montants l'air, je trouve que tu es tombé bien bas, Peppermint. Ya, je suis vert. C'est qui le type tout vert? Un martien. Cette fois, je pense que le commandant va nous recevoir. Mon cher Luc, vous m'avez ouvert les yeux sur l'usage mauvais que l'homme pourrait faire de mes machines. Je renonce à l'aviation. Ce sont les toits qui vont être contents. Alors, Luc, on rend le manche? Je crois que je préfère encore le plancher des vaches. Faites-en bon usage. Voyez-vous, Woolly Pillow, je pense que je vais me consacrer à une discipline plus profitable au bonheur de l'humanité. Ah, et laquelle, révérend? La fission de l'atome. I'm a bold, lonesome cowboy.